Salut tout le monde, c'est Titanize et comme vous l'attendiez, un commentary c'est sur Black Ops. En fait, j'ai fait une bonne partie en c'est en domination, vous l'avez pu le remarquer avec les drapeaux, mais je joue au Space 12 et au sniper, donc au PSG1 en partie. Là, j'ai tué un mec à la grenade. Je dis de la merde, ça fait longtemps que j'ai plus fait de commentary, donc des fois je vais sortir des choses que je veux pas dire, donc j'espère que vous m'excuserez de ces petits problèmes. Donc comme vous le savez, les commentaries ça se fait pas n'importe quand, on dit pas ouais on fait un commentary, on arrive pour faire une vidéo puis on sait pas quoi dire. Non, les commentaries c'est vraiment fait pour quand on a quelque chose à dire, faire part en fait de nos impressions sur les précédentes vidéos ou tout simplement des choses qu'on a envie de dire. Alors au tout début, avant de vous présenter ce que j'ai envie de vous dire, je vais quand même vous présenter un peu de gameplay. Donc c'est une très bonne partie, je vais pas mettre tentative kill. Non, j'ai rien dit, c'est une tentative sans kill. Soit je vais y arriver ou soit pas très très loin. Vous verrez, je laisse le suspense. En tout cas, cette partie elle se joue au Space 12. La moitié de la partie elle se joue au Space 12 et l'autre moitié au PSG1. Sauf que entre temps, j'aurai plus de munitions et je vais ramasser des autres armes. Donc voilà, c'est pour ça que toute la partie ne se passera pas avec ces deux armes. Donc je vais vous présenter la classe du Space 12. Je joue avec Phantom, Passe-Passe Pro et Marathon. Oui, je mets Marathon, là j'ai fait un peu l'handicapé, je vise. Voilà, donc c'est sur Radation, sur Black Ops, on a un peu laissé tomber MV3. Sven et Loïc, Sven il en a marre. Loïc ça fait tellement rager qu'il joue plus. Mon cousin il a déménagé, donc Overdose il a plus de wifi, donc il joue plus du tout. Et puis Scops, donc Bastien il est en vacances, donc il joue plus, donc je suis obligé un peu de les suivre sur Black Ops. Honnêtement, MV3 me manque un peu, c'est pour ça qu'on va pas sortir trop de vidéos. Je voulais aussi vous présenter le changement du concept des Golden Mob. Je vais changer le nom. J'ai trouvé un nom, j'ai oublié de le marquer. Les Killstreak en or, voilà. J'en ai pas encore trop parlé avec eux, mais je pense qu'ils seront d'accord. Les Killstreak en or, c'est un peu un jeu de mots avec Golden Mob, car en fait c'est une mob avec des armes en or. Mais Killstreak en or, ça veut aussi dire Killstreak en or, les meilleurs Killstreak, donc les Killstreak les plus difficiles à avoir. Et c'est pour ça que dans les Killstreak en or, on va mélanger du MV3 et du Black Ops. Et on va faire donc des chiens, je pense que vous l'avez compris, avec des armes pas très faciles d'utilisation, même certaines très difficiles. J'ai déjà quelques petits défis en tête, joli réflexe. Au Space 12, je joue vraiment jamais au Space 12, et là je sais pas trop pourquoi. Je me suis dit pourquoi pas trop essayer. En fait, au départ, chacune personne de la team va faire une introducing. En fait, introducing c'est un petit montage un peu qui montre un peu votre niveau. Après, normalement, les introducing ça fait on prend tous les meilleurs clips qu'on a depuis le début, presque qu'on joue à code. Mais depuis le début que je joue à Call of Duty, je savais pas que j'allais faire des vidéos. Voilà le bug que ça m'arrive tout le temps. Dans les killstreaks, je mets comment ça s'appelle. Attendez, je vais vous accélérer tout ça. Je mets le Blackbird et je fais une double élimination. Ou je quand j'allais lancer mon Blackbird, je vois un ennemi en face, ce qui fait que je le tue et ça me débloque le UI. Sauf que moi je réfléchis pas que je viens de débloquer le UI, donc je crois lancer le Blackbird et c'est à ce moment là que je lance le UI. Et en fait je me planque même pas, je reste comme un gland en train de piloter mon Blackbird à 1 ou 2 kills des chiens. Mon UI à 1 ou 2 kills des chiens. Donc c'est un petit bug qui m'arrive souvent. Donc dans les vidéos maintenant, donc je vous ai expliqué la chose. Si vous voyez refaire ça,
vous saurez que je suis un sacré handicapé. Voilà. Je parlais donc d'équistrique en or. J'ai un petit. Je vais vous expliquer un truc. C'est pas par exemple. Je vais pas me dire par exemple. Je vais faire les chiens au space 12. Je vais faire une compilation de plusieurs chiens. Bien sûr, je vais garder un peu. Oh putain. Je viens de me rendre compte qu'il y a 3 mecs qui me passent devant. Puis que j'en ai vu aucun. Je vais faire une compilation en fait. Et je vais garder un peu le truc des Golden Moab. C'est que ça sera en musique. Voilà, je veux. Attendez, je finis ça. Je vous parle de la musique après. Ça sera en musique. Et par exemple, le premier épisode, bon, je vous spoil un peu. Mais c'est pour que vous soyez un peu prévenus. Pas que vous soyez. Vous vous dites, ouais, c'est un peu de la merde, ce nouveau concept. On sait même pas ce que c'est et tout. Donc, le premier épisode, on va faire les chiens avec toutes les mitraillettes silencieuses. Que ce soit le Uzi, le Scorpion. Tout, on en a déjà quelques-unes qui sont déjà faites. Voilà. Donc ça, c'est ça. Après, là, j'ai un petit défi. Je vais pas vous le dire, mais qui est vraiment dur. C'est un petit défi au Dragunov. Après, je vous laisse un peu chercher, mais je vais pas tout vous spoiler. Je vous dis juste que ce sera Dragunov. Et ça ne sera pas tout simplement les chiens au Dragunov. Il y aura encore beaucoup plus de difficultés là-dedans. Là, vous avez pu voir dans la barre des feeds Supra Titan 2. Donc, depuis que je joue à Black Ops, mon frère joue à Black Ops. Et là, il a eu les chiens et le Yui. Attendez, j'ai regardé son score. 28. Ouais, moi je fais du 55-7. Ouais, donc Sven faisait. Je crois qu'il était allé manger. Ouais, j'en sais rien. Là, je débloque mon Blackbird. J'avais plus de munitions de mon PSG, hein. C'est pour ça que j'ai ramassé Stack à 47. Donc voilà. Ah oui, fallait que je vous parle des. Donc je vous ai dit au tout début de la vidéo que les commentaires, ça se faisait pas à l'improviste. On va pas commenter. C'est à ce moment-là que je me retourne, que je vois un ennemi et que j'y mets 3 balles d'AK-47 dans la tête, ce qui me fait un headshot. Non, un commentary, c'est pas ça. C'est que vous avez envie de faire passer des informations ou des sentiments ou voilà, n'importe quoi. Et c'est pour ça que les commentaries ne viennent pas, pas comme ça, on n'en fait pas quand on veut. Là, je vais vite accélérer, oui. Faut vraiment avoir quelque chose à dire. Et là, ben, fallait vraiment que je vous explique certaines choses. Je sais pas si certains l'avaient remarqué, mais Supra Skylose, enfin Kevin, a quitté la team pour des raisons que je ne vais pas toutes les citer. Il y en a une ou deux que je peux quand même vous dire. Alors, en fait, il avait 2 comptes, Supra Skylose pour le compte de sa team et WarXP, c'est le compte pour ses abonnés. Donc il avait pas envie de switcher sur ces 2 comptes tout le temps comme ça. Je le comprends aussi, moi. Bon, après moi j'ai 2 comptes, Joker97 et Supra Titanis. Même le compte de mes abonnés c'est aussi Supra Titanis. Même si j'ai 2 comptes, je joue quand même sur Supra Titanis. Là il y aura un bug, alors je vous reprends tout de suite. Allez, bye. Me revoilà. En fait il y a eu un bug, une migration de l'autre. C'est pour ça que j'ai dû tout couper. Voilà, donc vous avez à peu près compris. Donc ce que j'ai fait, il a donc Skylose, il reste plus beaucoup de temps, donc faut vraiment que je me bouge. Skylose, il a quitté la team. En fait, il avait envie d'être le leader. Il avait envie de créer une team à lui. Ce que je peux comprendre, c'est clair que on aimerait bien tous avoir créé sa team, qu'elle marche bien et tout. Après, dans notre team, il n'y a pas vraiment de leader. Il n'y a même pas du tout leader. Faut que vous arrêtiez de dire tout le temps ouais, Titanis le chef de la team. C'est pas parce que moi j'ai fait des vidéos au tout début que je suis le leader. Donc voilà, on a créé plusieurs, il n'y a pas de leader, on est tous égaux. Voilà, donc là la partie vient de se terminer. J'ai fini par un score de 84. Il me restait 16 kills avant de faire avant d'obtenir les 100 kills. Dites-moi dans les commentaires si vous aimez les lives, car on n'en fait pas souvent. Mais en fait, j'aimerais avoir une communauté. Pas, j'aimerais pas avoir une communauté de débat disant PS3 la merde, vivement vive la Xbox. J'aimerais une communauté
qui arrivent à discuter ensemble, tout ça, mais ça, je vais en reparler dans un autre commentaire de mes abonnés. Donc, si vous aimez les lives, je pense que les lives, ça pourrait vous plaire, ça plaît à tout le monde, les lives. Moi, j'aime bien regarder les petits lives, sauf que les lives en étant tout seul, genre moi tout seul, un live, non, si je fais un live, on est minimum 2, non, minimum 3. C'est beaucoup plus marrant, avec Loïc qui raconte ses petites conneries. Quand il y a Overdose et Foxy ensemble et Scopes, alors là, c'est les pros. Donc, je vous laisserai découvrir un live qu'on va faire dès que tout le monde pourra jouer. Je me réjouis de les retrouver. Donc, dites-moi si vous aimez les lives. Et bah, n'oubliez pas de vous abonner, de faire tourner la chaîne. Il y aura une vidéo présentation. Je vais m'y mettre. Il y aura plein de vidéos qui vont suivre. Donc voilà, c'est pas parce qu'on n'a pas mis de vidéo pendant une ou deux semaines qu'on laisse tomber la chaîne. Non, pas du tout. On revient en force. Et voilà. Donc portez-vous bien et restez actifs sur la chaîne car on va continuer les vidéos tous les 2 jours. Allez, bye.